Bonjour, partenaire de vos envies sportives. La ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile durant ces temps de confinement. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vous propose une séance d'activité motrice pour les enfants. Petits enfants, moyens enfants, ados, voire adultes. Ça peut même être une séance pour les parents et les enfants. Bien sûr, les consignes seront différentes suivant le public concerné. Durant cette séance, on va travailler la motricité, mais également la mémoire. C'est pour cela que c'est une séance de memory sportive. Pour ce qui est du matériel, on n'a pas besoin de grand-chose. Votre corps et votre imagination. C'est mieux, bien sûr, d'être plusieurs. Par la suite, on pourra utiliser une feuille, un crayon, voire un chronomètre. Le principe est très simple. C'est proposer un exercice physique simple qui devra être répété durant au moins 5 secondes. L'adversaire, il reprend l'exercice proposé et en propose à son tour un autre, et ainsi de suite. Attention, les exercices doivent être adaptés en fonction du public, c'est-à-dire pas trop durs pour les enfants. Le but, mémoriser de plus en plus d'actions motrices, sans se tromper de l'ordre de mémorisation. Par la suite, différentes variables peuvent intervenir, comme le temps de travail, qui peut être plus ou moins long, 15-30 secondes, on pourra incorporer un temps de repos, on pourra utiliser différents matériels, une balle plus ou moins grosse, plus ou moins dure. On peut également incorporer des mouvements qui soient dynamiques au lieu d'être statiques. On n'est pas obligé de rester sur place. Ça peut se faire à la maison ou si on dispose d'un extérieur également. T'arrêteras. Démonstration d'une situation. Alors, démonstration. Vas-y. À moi. Et je rajoute un exercice en plus. À toi. À moi. À toi. Troisième exemple. Ah, mais j'ai perdu. Ah, ben j'ai perdu. Eh ben c'est moi, j'en ai fait que trois. J'ai pas refait un exercice de plus. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc là, moi j'ai perdu. Donc, on peut recommencer et remettre d'autres exercices. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez parler votre imagination et prenez soin de vous. Merci.